Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 26 mai 2017. Marché plate aujourd'hui, il se passe pas grand chose sur ce marché-là. On a eu une tentative de la part des orifères. Il y a toujours une petite possibilité pour le secteur énergie, mais quand même assez faible pour l'instant. On dirait qu'on est en rendu à la période de vacances. Il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le SPY, puis le TVX est en train de revenir à la baisse. Bon, ça veut dire qu'ils pensent que le marché ne va pas descendre, quelque chose comme ça. C'est un petit peu poche, fait que je vais en profiter pour vous montrer d'autres choses d'intéressant. Allons-y maintenant en partant sur le dollar américain, qui a rebondi, mais qui n'a pas donné suite là, pour le moment. Je vais le mettre sur 10 jours ici. Donc, vous voyez, le dollar américain est sur le bord d'une remontée, ce qui serait négatif. Là. Pour ça, que l'USO est en hausse, mais si le dollar américain ne passe pas, je pense pas que ça va aller, que ça va pousser le pétrole à la hausse, malgré toutes les nouvelles qui s'entendent sur des réductions. Là. Ça n'a pas gros d'effet pour l'instant. Et puis, en plus, dans ce petit rebond-là, on arrive déjà dans la situation surachetée. Donc, sur le Nikkei, on a commencé une petite correction. Sur la Chine, c'était sans mouvement. Londres est sans mouvement. Et puis, après la hausse d'hier sur Nasdaq, il ne se passe rien aujourd'hui. On est en situation totalement surachetée là aussi, comme sur le Dow, puis le SPY. Mais le TSX, lui, très calme, un petit peu à la baisse, mais comme je vous le disais tantôt, pas grand-chose qui se passe de ce côté-là. Maintenant, à Londres, ils disent qu'ils se tournent vers le G7, là, les dirigeants en Italie vont discuter du libre-échange des changements climatiques. Donc, il n'y a pas vraiment rien de nouveau là-dedans. Dans les résultats financiers aujourd'hui, Costco qui a décollé en hausse, mais il est redescendu. GameStop 51 à 58, malgré un bon résultat, le titre a chuté, mais il est remonté quand même. Marvel 21 à 24, il a continué son cycle haussier.
Splunk, ils attendaient moins 4, ils ont eu moins 1, donc un bien meilleur résultat avec 30% d'augmentation des ventes, mais le titre est en chute, même s'il a rebondi. Et Deckers Outdoor, ils attendaient moins 6, puis ils ont eu moins 11, donc c'était encore bien mauvais. Donc, tout de suite, avant même l'ouverture ce matin, je disais, hey, ça va ouvrir en hausse, puis ça va redescendre après. Là. C'est exactement ça qui est arrivé. Mais pourquoi il y a encore une hausse qui persiste, je ne sais pas. Web.com est en pourparlers avec des firmes de capitaux privés qui disent. Et Coach, ils ont lancé une offre publique pour Kate. Kate, il était déjà stabilisé au prix de l'offre, de toute façon. Puis ils disent que là, on remonte à cause des commentaires de Donald Trump sur la Corée du Nord, où il disait que c'était un dangereux, ce gars-là. Je pense qu'il n'apprend rien à personne. Comme vous pouvez voir sur les marchés, là, c'est vraiment drôlement plate, parce qu'il y a eu une hausse hier avant midi, mais depuis 11 heures hier et aujourd'hui, 24 heures sans mouvement sur le marché. Pareil sur le Dow Jones, pareil sur le SPY et le TSX un peu aussi, mais il y a quand même une faiblesse, lui. On est proche du support. Puis quand on regarde les différents secteurs aujourd'hui, vous voyez, le secteur énergie, il n'a pas monté, mais je vais vous montrer les ressources en partant. Vous voyez, USO est en hausse. Il pourrait traverser... croche un peu ma résistance, là. On va la mettre de même. Donc, le pétrole pourrait traverser en hausse ici, ce qui serait positif, mais malgré la hausse, la faible hausse du pétrole, il y a une faible baisse sur le gaz, mais comme vous voyez, les titres sont au point mort. Il ne se passe rien du tout depuis hier matin, depuis la chute d'hier jusqu'à midi. C'est resté là depuis ce temps-là. Donc, plus longtemps que ça dure, plus important ça va être le revirement ici du secteur énergie. Et puis là, l'argent appartient en hausse ce matin, l'or appartient en hausse ce matin. Je vais le mettre en 5 minutes pour vous montrer un peu plus la perspective. On est là. C'est parce que j'ai juste 100 périodes, OK, d'accord. Mais les titres ont ouvert en hausse aussi sur l'or comme sur l'argent, mais il semble pas qu'on veut y croire puisque c'est en train de redescendre là tranquillement. Sur les services financiers, on est négatif, les industriels, c'est négatif, et tous les secteurs semblent vouloir pointer encore par en bas. Sur les mines, la situation est précaire. Donc, comme vous voyez, il y a juste l'or vraiment qui a monté, mais qui donne pas suite au mouvement. Dans la majorité des cas à Toronto, vous voyez, les secteurs sont, à part la santé qui a une petite hausse, tous les autres secteurs sont en baisse. Je mets les ressources à part. Là. Dans les ressources, il y a juste les orifères qui demeurent un peu en baisse, puis la santé. Donc, tout le reste il y a juste l'or et la santé en hausse. Tous les autres sont en baisse et nous montrent une tendance à une pression à la baisse, là, présentement. C'est ce qui fait que c'est aussi poche que ça, là, sur les marchés aujourd'hui. Mais quand même, je vais vous montrer, peut-être pas des titres qui sont en feu, là, qui sont bien intéressants, peut-être 3 ou 4, là, mais je vais vous montrer un bon paquet de stocks qui sont dans des formations intéressantes, qui au cours des prochains jours pourraient faire quelque chose. Donc, ça vous donnerait quelque chose à surveiller. Puis ça, on trouve ça sur gourou.tv. Bon, nous avons sorti une nouvelle version de l'application Ares Interactive Media qui vous permet d'assister, de participer aux émissions de Gourou.tv, à l'émission Le Feu de l'Action là que vous avez présentement. Il y avait un petit problème sur l'application Apple pour les iPhones et iPad, ce qui fait que, il fallait... Quand on avait rentré dans l'application, on essayait de retourner dans le site Internet, ça ne voulait pas rentrer si on ne tuait pas la... Vous savez, quand
toutes les applications vivantes, là, il faut les enlever, là, les killer, qu'on dit, les enlever. Bon, là, il n'y aura plus ce problème-là si vous loadez la nouvelle application. Vous allez voir l'application Ares Interactive Media. Après, vous allez l'avoir loadée. Maintenant, vous pourrez peser directement sur l'application. Avant, il fallait que l'application soit dans votre téléphone, mais il fallait passer directement par votre téléphone dans le site de Guru ou dans le site Décision Plus pour accéder à l'émission. Là, maintenant, ce n'est plus le cas. Vous entrez dans l'application directe. Vous allez voir trois choix que j'ai là à l'écran, qui est Guru.tv, dans le feu de l'action, puis démonstration Ares. Donc, une fois que vous aurez transféré cette application-là, maintenant, à l'heure de l'émission, vous entrez sur l'application, vous cliquez dans le feu de l'action, et puis là, ça va vous demander « voulez-vous la vidéo? » Vous répondez « oui », et puis après ça, ça vous amène directement à la porte d'entrée pour entrer dans l'émission. Donc, il s'agit tout simplement de loader la nouvelle application de Ares Interactive Media. Donc, encore un petit penchant par en bas, un peu partout. Là, regardez, même services aux collectivités qui s'en viennent encore par en bas, les services financiers qui s'en viennent encore sur le bas de la journée. Puis la plupart, là, tous les secteurs sont en train de faire la même chose, consommation de base. Donc, vous voyez une petite vague de vendeurs là, qui est en train d'arriver. Maintenant, OK, secteur énergie. Vous voyez, il y a un rebond sur USO là, ce matin. Par contre, une petite correction sur le gaz. Mais les titres pétroliers ne veulent pas réagir au rebond du pétrole. C'est ce que je vous montrais tantôt. Dans l'or, on a eu un décollage sur l'or ce matin, mais depuis ce temps-là, ça fait rien pantoute. Il reste là tout le temps. Donc, ce qui a eu pour effet que les titres ont décollé, tout comme l'or, mais la patience vient à bout des investisseurs, puis là, ben l'or est reparti par en bas. Donc, pas l'or, mais les orifères. Donc, si l'or se met à fléchir un tout petit peu, les orifères vont rechuter encore. Donc, on n'a pas vraiment eu le call à la hausse encore sur les orifères. Et puis, les mines, ça reste inquiétant. Puisque vous regardez la formation ici, là, depuis quelques minutes, on a passé le bas d'hier. Je vous mets ça en 15 minutes ici, et comme vous voyez, on est bien à côté sur le bas des derniers jours. Donc, il semble qu'on pourrait bien revenir sur le support ici. Et puis, si on regarde ça, une chance qu'il y en a une couple qui sont à la hausse, mais la plupart, comme Tech, là, c'est à la hausse, mais tout juste. Okay? On reste encore dans une situation qui peut être dégénérée en signal haussier en haut de 26 et 26, mais en signal baissier en bas de 24 piastres aussi, là. Puis First Quantum est déjà dans cette direction-là. Donc, pour l'instant, là, les mines, c'est complètement évité. Puis Hot Bay, lui, il n'y a même plus de place à descendre. Pour tous les autres secteurs, là, sont complètement neutres. Ça fait des jours que ça dure. Il n'y a plus grand-chose qui se passe sur le TSX, là. Regardez, les services financiers demeurent dans leur tendance baissière, puis aujourd'hui, on met un peu de pression même sur le support. Donc, on ne voit pas de vague d'acheteurs nulle part, là. On a eu un petit mouvement. Après ma barre, c'était... attendez un petit peu, c'est ici. Après ma barre, ce matin, il y avait plusieurs titres là, qui pointaient à la baisse. J'ai même des gens qui demandaient, bon, c'est-tu un go pour Weed? Ben, avant matin, au tout départ, quand il perçait son support, c'était un non. Puis là, même s'il a l'air intéressant, ça allait juste en day trading parce que tant qu'il n'aura pas repassé cette résistance-là ici, c'est trop prématuré là comme point d'entrée. Donc, le secteur s'est fait sauver, on pourrait dire, par un peu d'acheteurs, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des positions là-dedans, mais pour l'instant, il y en a d'autres. Regardez, celui-là ici, il pointe encore par en bas après son décrochage d'hier, Canabo. Puis Organigram, il n'a pas remonté bien, il est juste stabilisé. Donc, je ne pense pas que ça représente un bon point d'entrée encore sur ces titres-là. Je vais aller chercher. J'ai deux, trois courriels que je vais répondre après la pause. J'ai quelques questions ici aussi. Préparez votre question, pas tout de suite, là. Après que j'ai répondu à celle-là, je vous arriverai la barre de questions vers midi moins 10 à peu près. Et puis, donc, je vais quand même y aller avec la question de Cédric ici. Salut TSLA, va-t-il péter son sommet?
TSLA. Ben, je ne sais pas, Cédric, s'il va le péter, là. Pour l'instant, ces volumes sont pas en super augmentation. Puis le titre est vraiment très, très cher et très, très haut. Il n'y a rien à faire. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'attendre que le mouvement se fasse. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Et MEIP, oh, il est vraiment. Oups, là. Non, je l'ai perdu. Là, il est ici. Bon, on revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, j'avais un courriel, c'était le même, c'est Éric qui l'avait envoyé papier. Pas Éric, mais Cédric. Ici, j'ai Sylvain de Pont-Rouge qui dit « Bonjour Michel, sur vos choix de bourse, il n'y a pas de Nex. Je veux voir le titre de ORT.H quand il va recommencer à se transiger, c'est Orbit. Quand il sera actif, comment je procède? » Ben, en fait, c'est un point H. Ça, oui, c'est vrai, ils disent sur la bourse Nex, mais en fait, techniquement, c'est sur la même bourse, c'est sur le marché de venture, c'est le marché de croissance, là. Vancouver, qu'on appelait avant le marché VSE. Vous allez le voir apparaître là, tout simplement. Ce que vous pouvez faire, c'est créer le symbole qui sur le TSX, qui va être, vous allez dans la liste principale, puis vous faites ajouter, puis vous l'appelez ORT.H, puis le jour où il va commencer à se transiger, ben il va apparaître tout seul. Pour l'instant, il va avoir juste un nom, puis un symbole, mais quand il traderait, une journée, vous allez arriver dessus, hop, vous allez voir le trade, vous allez voir le bid and ask qui est probablement arrivé, mais c'est le même marché que vous regardez les autres titres de croissance. Garde Canabo puis Organigram sont sur le marché de croissance. Et voilà pour ça. QNC est-il un bon titre? QNC sur croissance. Quantum Miners, il fait quelques volumes intéressants. Regardons ça, voir en 15 minutes si c'est vrai. Oui, des fois, il fait des poussées de volume. Pour l'instant, il est pas mal tranquille. Vous savez, vous le regardez à court terme, là, étant donné que son dernier mouvement, il a fait l'aller-retour, donc il n'y a plus de tendance haussière. Il y avait une tendance haussière qui était ici, qui, s'il avait continué à la hausse, ça aurait continué à donner une tendance haussière, mais étant donné qu'il a reviré de bord ici, vous voyez, on est passé à une tendance neutre. Et là, à 14 cents, il y aurait un signal d'inversement, OK? Donc, pour l'instant, on ne devrait pas y toucher. Vous devriez acheter ça lorsqu'il passerait à 20 cents avec un volume d'au moins une couple de millions, d'après sa volatilité habituelle. J'ai 110 000 FO. OK, c'est fatigant, hein, ça, de le voir fléchir, mais ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc, il a annulé déjà ce premier... ici, il y avait eu, un signal baissier, mais vous remarquerez que ce n'était pas en début de mouvement, mais plutôt dans sa troisième journée de mouvement. Donc, ça a rebondi. Là, maintenant, le support, il est comme testé trois fois, là. Donc, pour l'instant, ça devrait être son creux. Mais en dessous de 35 cents, c'est un signal de vente.
Et je sais que ça va être extrêmement difficile pour vous. Vous les avez à 33 cents, puis là, ils valent 40 cents. C'est sûr que la balle est dans votre camp. Oui, il y a une possibilité qu'un jour, ils reviennent. Ce qui m'étonne, c'est que vous avez pas pris des profits là, lors de son plafonnement au début ici pour la réduire un peu à 45. Écoute, 110 000, c'est une pièce et 10 de la scène. Ça va vite, là, OK? Fait que, pas une pièce et 10, mais 10 000 actions, une scène, OK? C'est 100 piastres. Donc, c'est 1000 piastres. Ça va vite là-dedans. Là. Le problème, c'est que votre prix de revient il est ici. Fait que j'ose espérer que vous avez un stop juste au-dessus de votre prix payé. Tu sais, si vous en lâchiez, gagne 110 000, 55 000, vous avez payé 33. Mettons que vous réussissez à le vendre à 38, là, OK? Donc, ça fait 5 cents. Donc, au lieu d'avoir 33, vous auriez 28. Ça ferait descendre votre prix de revient ici, OK? Si vous en vendiez, là, puis ça profiterait encore. Mais là, c'est à vous de dire, OK, est-ce que je prends le risque qu'il va remonter? Puis moi, je vous suggère n'importe quel temps entre ici et là de prendre des profits, même au moment actuel, pour réduire votre risque d'ici à 30 cents. Si vous en vendez la moitié là, eh bien, votre prix de revient va être 30 au lieu de vous êtes à 30, vous êtes à 33, moins 5, ça fait 28. Non, ça va être ici. Donc, au lieu d'avoir un prix de revient ici, vous auriez un prix de revient ici, et puis le point de sortie, il est là. Fait que si vous en vendez la moitié ici, ou comme n'importe où, ça aurait été encore mieux avant, mais si vous en vendez la moitié ici, vous mettez un stop sur le reste à 35, vous assurez de ne pas faire de grosses pertes. Il arrive quoi que ce soit là-dessus, puis ça se met à chuter solide, ça peut se traduire en quelques milliers de dollars de pertes assez facilement. Mais si vous voulez y aller all-in, comme on dit, ben là, vous ne faites rien, là, c'est tout. SWY. Quel avenir? Ben l'avenir est bien slow. L'avenir est tranquille, mais son avenir, c'est que à 90 cents, il y aurait un signal d'achat, mais juste en dessous du prix qui est là, il y aurait un signal de vente. On entend pour une compagnie comme ça, je trouve qu'on n'a pas assez de nouvelles. On n'entend pas parler de grand chose. Une compagnie qui semble assez réservée et muette, là, mais. De toute évidence, sur un support d'aussi longue date, écoutez, là, c'est février, mars, avril, mai, là, ça fait 4 mois qu'il est là. Bon, ça veut dire que c'est un support solide aussi. Mais le problème, c'est que si ça passe à travers, ça va créer quand même une certaine panique. On a achat FCX, New York, 12,99. Que faire? FCX... Oups, ici, FCX New York, que faire, 12,99. Bien, c'est Freeport-McMoran, il y aurait un signal de vente pas loin d'ici, là, comme pas à 11. S'il touche 11 piastres, il y a des méchantes bonnes chances de se rendre à 9,5, là, parce que ce serait bien, bien négatif. OK? Et puis encore, parce que quand on le regarde comme ça, dans son graphique hebdomadaire, il y a son premier support immédiat ici. Après ça, il va s'arrêter à 9,5. Puis après ça, s'il passe 9,5, c'est où le. En tout cas, à la moindre baisse, moi, j'étais où, je lui dirais cette position-là ici à 11 piastres et demi au minimum, là. On va à la pause. Je vous ouvre la barre de questions pendant la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. La dernière question des vieilles questions de Michel, c'était NOU, tendance positive, volume à la hausse. Non, pas vraiment. L'histoire est pas mal terminée depuis la fin mars, là. Même plutôt en avril, lorsqu'en avril, il est reparti par l'autre bord. Parce qu'on avait des supports positifs, une tendance haussière, mais il aurait fallu qu'il reparte ici. Et puis là, il est parti de l'autre bord. Puis son petit rebond ici, je trouve pas qu'il se fait avec des volumes vraiment d'augmentation. C'est qu'il y a une couple de jours, peut-être, vous l'avez vu comme un volume en augmentation là. OK, mais c'est pas vraiment beaucoup. Puis le titre, il poussait pas non plus à la hausse. En tout cas, moi, je pense que vous devriez vous tenir loin de ça. Avant de répondre aux autres questions, je voulais au moins vous montrer ce que je voulais vous dire ce soir, que tantôt... des choses qu'on peut faire la fin de semaine. Sur Guru.tv, exemple, OK? Sur Guru.tv, vous avez regardez, aujourd'hui, exemple, sur Toronto, il y a seulement qu'un élan haussier, là. Tu sais, ça montre comment c'est poche sur le marché. Il y en a deux à la baisse, là. 34 titres qui étaient dans des cycles haussiers qui continuent. 37 qui se corrigent. Mais 59 qui continuent à la baisse, 90 qui font des rebonds, mais ça, c'est quand même des cycles baissiers. Vous voyez, c'est beaucoup plus garni du côté des cycles baissiers que du côté des cycles haussiers. Mais regardez le chiffre qui est ici. Ça, c'est un beau chiffre. 285 compagnies qui, elles, sont dans des formations neutres. Fait que lorsqu'on a Market Vision et Guru.tv, regardez, je clique sur le chiffre 285. Ici, ça me donne automatiquement les 285 stocks qui sont tous dans cette formation-là. Ça, c'est une belle place pour fouiller, OK? Parce qu'il y a du matériel intéressant là-dedans. Exemple, pourquoi on a mis ces titres-là dans cette situation-là? Parce qu'ils sont entre deux cycles, OK? Ou dans une longue formation neutre, exemple, comme ça pourrait être ici, OK? Donc, à partir d'ici, il va y avoir un signal haussier ou un signal baissier. Puis là, tout ce que vous avez à faire, c'est de rouler votre roulette. Regardez Shopify qui a fait un beau mouvement. Bien, par là, c'est un signal de vente, puis par là, c'est un signal d'achat. Il y en a une grande quantité. Regardez OpenText, qui est un gros titre bien connu dans cette situation-là. Mais s'il passe par là, c'est extrêmement négatif, OK? Donc, c'est des mouvements à en devenir, que je pourrais dire. Regardez McDonald's Allweiler qui est sur son bas de l'année. Fait que, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres là-dedans qui sont intéressants. Tu sais, Wyland, il n'est pas bien, bien parce qu'il met de la pression par en bas, mais vous allez en trouver qui sont dans des cas contraires. Exemple, Bombardier se retrouve dans une formation neutre. Et puis, il y en a tellement d'autres, des titres. Je ne peux pas vous montrer les 285. Vous voyez, Toromont qui est là, mais il n'est pas là, il n'est pas n'importe où. Par là, il peut être super intéressant, mais par là, c'est goodbye, la visite, là. OK? Et puis, il y en a énormément. Regardez New Flyer Industry qui tente de traverser sa résistance. Puis, c'est plein, plein, plein. Tu sais, regarde, on en découvre un ici qui part à la baisse, supérieur plus. Finning, en bas de 25-50, très pas intéressant pantoute. C'est même un point de vente. Fait que, est-ce qu'on peut en trouver qui sont intéressants là-dedans? Bien, c'est justement, c'est que vous faites le tour. Puis regardez Rogers qui pourrait éventuellement faire comme il a fait avant, traverser son importante résistance ici. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix là-dedans. Parce qu'avant tout, Guru.tv, c'est un site de coaching où on vous aide à la journée longue, mais c'est surtout un site qui va vous donner beaucoup de choix. Et aussi, mardi, c'est le cours de day trading, si ça vous tente de participer à ça, le cours de day trading, mardi, toute la journée. Maintenant, je vais avec d'autres questions. HOD acheté hier, 11,20$. HOD, 11,20$. Maintenant, il vaut 11,26$.
Parce que là, comme je l'ai montré tantôt, USO est à sa résistance. Il passe pas, mais il est à sa résistance. C'est pour ça que lui, il est à son support. Fait qu'au moins, si vous ne prenez pas un profit maintenant, mettez-vous un stop au prix payé ou une scène ou deux plus haut. Salut Michel, je voudrais investir dans un titre d'énergie verte. Que penses-tu de CSIQ? Suggestion. CSIQ. Canadian Solar. Ben, tu sais, c'est bien noble de votre part de vouloir investir dans l'énergie verte, mais encore est-il qu'il faut avoir le feu vert. Et puis le feu vert, il sera pas là avant 14 piastres et que. Le liste solaire, c'est dans quelle liste, Max, déjà? US 9. US 9, ici. Donc, j'ai tous les solaires ici. On voit le Claymore qui est sur le bord. Il y en a peut-être qui sont plus semblent plus intéressants, comme Sun Power, après qu'il a fini sa correction. JA Solar a été beaucoup plus solide. Okay? Vous avez, il y a plusieurs titres de solaires qui semblent des beaucoup meilleurs prospects à court terme, même si aujourd'hui, ils sont pas hot, là, qui pourraient être intéressants dans un nouveau décollage. Ils sont en plus belle situation que celui que vous nous avez mentionné. AW.UN, c'est-tu au Canada? Oh, ça plante solide. C'est AW Revenue Royalty. Bon, Revenue Royalty, il doit payer des sommes, ce titre-là, mais pour l'instant, c'est le gain de capital qui est parti en vrille. Là, il s'en va à 33 piastres pour l'instant. Où est son 34, en fait? Où est son autre support? Il est vraiment pas positif. Il y a eu un signal de vente ici. Il y a eu un signal de vente là, il y a deux jours encore. Puis ATD.B, il est pas bien beau à l'alimentation au couche-tard. À 60 piastres à court terme, il y aura un signal technique baissier sur ça. Puis AU, une dernière question que je réponds. Oui, il est vraiment beau. Il veut pas continuer, par exemple. C'est un petit peu tannant, là. Mais il est pas mort, là. Regardez, il a fait des gros volumes à l'ouverture, là. Pour l'instant, à 2,25, son nouveau cycle haussier serait confirmé. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente fin de semaine. Lundi, les marchés américains sont fermés. Nous, on est là parce que les marchés canadiens sont ouverts, mais ça risque d'être une journée assez tranquille. Et n'oubliez pas, mardi, le cours de day trading. Et c'est moi qui donne le cours toute la journée, si ça vous intéresse. Passez une belle fin de semaine.